à s'amuser. C'est moi, Henri Calimonstre. Tu as vu ma nouvelle grosse machine turbodynamique? Je la prends pour aller chez Gertie. Oh. Oh. Ah. Il ne faut pas hésiter à s'arrêter pour sentir les califleurs. Quelle belle journée! Et ça va être de mieux en mieux puisque je vais jouer chez mon ami Gertie. Gertie voit ma grosse machine turbodynamique. Elle va l'adorer. Henri, me voilà rassurée. Je croyais que tu ne viendrais jamais. Eh bien, si, me voilà. J'ai prévu tellement de super choses pour nous aujourd'hui. Et grâce à ma Tic Tac 3000, on pourra les faire toutes. Regarde, j'ai fait une liste. Oh, alors ça, c'est ce que j'appelle une liste. Une longue liste. J'ai prévu un emploi du temps strict pour nos activités. D'abord gymnastique, puis peinture aux griffes, banjo, origami, une polka, du monstre yoga, une pause jus de fruits, suivi de 2 minutes de bavardage, puis de 2 minutes de discussion sur ce bavardage. Wow, Gertie, je trouve que ça fait beaucoup de... D'amusement? Eh bien, c'est pour ça qu'il faut tout de suite s'y mettre. Bon, d'accord. D'abord, je voudrais te montrer ma grande... Désolée, mais ce n'est pas prévu. Hein? Maintenant, on va jouer. Pas de temps à perdre. Attention, prêt, c'est parti. Oups, c'est fini. Hein? C'est fini. Là, on aura le temps de faire tout ce qui est sur la liste. Oui, c'est ça. Gertie a prévu des tas d'activités, mais il est difficile d'en profiter parce que... Fini! À cause de ça, je ne suis pas sûre que Gertie ait choisi le meilleur moyen de s'amuser. Là, d'après mon emploi du temps, c'est le moment de discuter tous les deux. Fantastique! J'adore discuter et je suis douée pour ça. Écoute, blablabla. Je pourrais faire ça tout le temps. On pourrait être sérieux une milliseconde. Tout est minuté. Très bien. 3, 2, 1. Attention, parle. Alors? Je... Oui. Et? Henri, on est en retard de 9 secondes. Il faut commencer à parler. Oui, mais c'est un peu difficile de trouver quoi dire s'il faut suivre ton... Oh, c'est fini. Programme. Maintenant, il est temps de... Gertie, peut-être qu'en suivant ton programme, on ne profite pas réellement des activités. Hein? Je ne te suis pas. Ce que je veux dire, c'est que si on doit tout faire très vite, on n'a pas le temps d'apprécier ce qu'on fait. Mais si on ne suit pas de programme, on risque de perdre notre journée à jouer. Qu'est-ce que ça peut faire? Jouer, c'est bon, jouer. Sauter, crier, chanter. Jouer, jouer toute la journée. Mets de côté tes horaires compliqués et joue, joue toute la journée. Fais de la corde à sauter, à la balle bien jouer ou fais la ricochet. Sauter, crier ou chanter, c'est bon de jouer. C'est si bon de jouer. Mais, oh, mon programme. Si on n'a pas le temps de faire tout ce qu'on voulait. Oh, allez Gertie, essayons de faire à ma manière. Faire les choses à ta manière ?